miracle, doux Jésus. C'est la comédienne que tout le monde s'arrache en ce moment, qui est avec nous ce matin, c'est Caroline Anglade. Bonjour Caroline Anglade. Bonjour, bienvenue. Alors je dis doux Jésus parce que justement le film dont venez nous parler ce matin, eh bien, il s'intitule Petit Jésus. Il va sortir au cinéma le 12 juillet prochain. Vous êtes actuellement au cinéma dans 38,5 Quai des Orfèvres. Qui est complètement déjanté. Oui, déjà Malherbe. Complètement déjà sorti. Ça, oui. Mais dites-nous, on se disait avec Thomas, mais qu'est-ce que ça marche fort pour vous en ce moment? Comment vous expliquez ce tourbillon? C'est un miracle à la façon du miracle à moi. Ouais. Non, mais je sais pas, les choses, oui, les planètes s'alignent un peu en ce moment, le résultat. Ça fait combien d'années que ça frétille et que ça commence à s'enflammer? Ça fait longtemps, en tout cas, que je prépare le terrain, ça c'est sûr. Mais non, je pense que depuis les choses se sont un peu emballées depuis le film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, qui était son premier film, ouais. Et je crois que celui-là m'a porté chance. C'était une ouverture dans le monde du cinéma. Donc vous êtes passé maintenant du côté où c'est vous qui choisissez vos scénarios. Comment vous faites le tri? Parce que vous en recevez beaucoup, j'imagine. Je n'arrête pas, je dis non à tout le monde. Je refuse beaucoup les États-Unis, je dis non catégoriquement. Attendez, par rapport aux États-Unis, je voudrais juste qu'on s'arrête deux minutes. C'est un rêve, apparemment. En tout cas, c'est le rêve de votre maman ou... C'est celui de ma maman. Ouais. Moi, je suis plus tranquille déjà. Si je travaille en France, je suis contente, mais ma maman l'a toujours imaginé une carrière internationale. Non, moi, je suis très bien en France. Mais en vous vrai. Avez tout de même le choix. Enfin, ce que veut dire Thomas, c'est que vous recevez tout de même beaucoup non, de propositions. Il y en a plus, c'est assez agréable, effectivement. Il y a des propositions plus intéressantes, plus denses. Alors, dans ce film Petit Jésus, vous interprétez la maman d'un petit garçon qui fait des miracles. Et votre ex est totalement persuadée que son fils pourrait bien être le nouveau Messie. Mm-hmm. Alors, on ne parle pas du joueur du PSG, mais le Messie du ciel, qui est là-haut, celui de là-haut. Regardez la bande-annonce et on en parle ensuite. T'as peur? Non, non. Passe plus vite, c'est toi le patron. Il est où, Jonathan? Qui? Le chien que tu gardais, il est où? Jonathan! Il y a un chien qui s'est fait écraser et il est mort à cause de moi. Mais après, je l'ai caressé et il est redevenu vivant. C'est rare qu'un petit garçon fasse ça. C'est impossible de réveiller un chien mort. Ah, oh, c'est impossible de réveiller un chien mort. Vous êtes pas d'ici, vous êtes suisse, non? Non, on est québécois. Ça doit vous changer. Loulou, dépêche-toi, tu vas t'entendre pour l'école. Cartable, brosse les dents. Non! Ou pas. Vous êtes alsacien, non? Non, québécois, mais il habite ici. Tu crois que c'est vrai que j'ai fait un miracle? Si les miracles, ça existait, toi, t'irais pas à l'école, puis moi, je serais riche. On est d'accord? Quoi? Ben, c'est ça. OK, attends. Prêt? Ouais. Appuie. Sur quelle pédale? Le gaz à fond. L'observer. Il y a peut-être des signes. Quel genre de signes? Je sais pas, moi. Bon, Darmon est génial comme d'habitude. On rigole, c'est parfois complètement déjanté. Et en même temps, il fait un peu réfléchir sur la foi, ce film. Caroline Anglade, vous croyez en quoi, vous, dans la vie? Oh, je crois en l'amour, en l'amitié, je crois, oui, en la bienveillance qu'on s'apporte les uns les autres. Moi, j'ai la chance d'être très bien entourée, que ce soit voilà, dans ma famille ou surtout dans mes miracle, amis. Vous y croyez au miracle? Au miracle, oui, j'y crois. Ouais, c'est les petits miracles qu'on s'accorde. Je pense qu'à un moment donné, il y a plein de petits miracles quotidiens. Ouais. Il faut les voir. Il faut les voir. Il faut être réceptive aux signes et il y en a plein. Mm-hmm. Et puis voilà, faut accueillir les choses surtout. Faut se rendre compte. De la chance qu'on a quand... Carpe diem. On en parlait tout à l'heure on y revient. Et dites-moi, dans le film, hein, cet enfant passe pour le Messie aux yeux de son père et de son grand-père. Vous avez un enfant vous-même. Est-ce que ça vous arrive Deux, oui. Ça vous arrive de les trouver miraculeux? Franchement, oui. Non, mais ils m'épatent, en fait. Là, ils ont quoi, 7 et 3 ans. Et ils m'épatent dans leur façon voilà, d'observer le monde, de nous observer, nous, leurs parents. Il y a des réflexions parfois qui sont saisissantes. Quoi. Donc, bien sûr, c'est des petits. Mais l'enfance est miraculeuse. C'est quelque chose qu'il faut préserver le plus longtemps possible. Il paraît que vous ramenez souvent vos amis sur les tournages quand vous pouvez. Pourquoi ça vous rassure? C'est des doudous pour vous ou pas? Oui. Vous êtes très copain-copine. Hein. Oui. Ouais. Et puis, si je peux tourner avec mes amis, justement. Je suis heureuse. On a une petite surprise pour vous de la part d'une de vos amies qui a tourné avec vous. Oh là. Ah, Macaro, l'intensité que tu déploies quand on va voir un film ensemble. Ah bah c'est pas compliqué, j'ai l'impression que tu commentes un match de foot. Enfin, c'est très vivant, il y a de l'énergie, c'est très intense. Et c'est pour ça que j'ai une vraie question à te poser, c'est, eh bah comme dirait Juliette, est-ce qu'un jour je pourrais partager une séance de cinéma avec toi au calme? Merci par avance, chouchou. Je t'embrasse fort.
C'est votre ami Mikaïo qui joue d'ailleurs avec vous dans oui, le film. Oui, qui joue ma femme dans Petit Jésus. Voilà, oui. Puisque vous avez tourné avec vos amis. Alors, comment ça se fait vous bavasser comme ça au cinéma? Ouais, c'est terrible. Elle me déteste pour ça. Je sais pas, je commente sans m'en rendre compte, mais je vis. Vous seriez pas une grande bavarde par ailleurs? Non, pas du tout. Franchement, Vous mangez des bonbons et vous faites du bruit avec le papier en plus Non, alors pas les pop-corn et pas le bonbon, mais les commentaires. Voilà, commentaires. Il y a donc ce Petit Jésus, il y a aussi 38,5 qui est des Orphées, on va s'en dire quelques mots, un polar complètement barré. C'est pas un peu la version 2023 de la Cité de la Peur, votre truc? Oui, on est vraiment dans cette ambiance-là, quoi, les références. Voilà. Moi, je suis née avec ce genre de comédie-là, Pamela Rose, La Cité de la Peur, Y a-t-il. Absurde, complètement. J'adore ça. Mais j'adore ça, l'humour un peu décalé, un peu à côté, le cinquième degré. Je trouve ça génial. Et puis en plus, après, on peut partir partout, très très loin. Mm-hmm. Et voilà. Et puis Benjamin, c'est un amoureux du cinéma, un amoureux de ce cinéma-là. Donc il y a mis beaucoup beaucoup de choses. Il y a mis beaucoup de choses personnelles aussi dans ce film. Vous avez une très jolie voix qui me fait penser à une actrice américaine que j'aime beaucoup. Ah, c'est qui? Laquelle? Est-ce que vous parleriez pas de Megan Fox? Elle a doublé Megan Fox, la glace. Oui, c'est vrai. Depuis 10 ans maintenant, et vous continuez? Je la double. Là, je viens de faire Expandable. C'est génial. Quand même, c'est marrant, c'est un exercice assez chouette. C'est quoi les films qui ont marqué votre enfance? En parler de Pamela Rose, assez de la peur. C'est quoi les films qui restent pour vous, qui deviennent heure 2 ou 3? Oh, il y en a beaucoup. Mais en France, il y a par exemple La Chèvre. La Chèvre? Ouais, c'est... Pour moi, c'est de la poésie, Pierre Richard. Après, il y en a beaucoup. Il y a aussi les Seven, American History X. Enfin, il y en a tellement, là, c'est vraiment trop vaste.